Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous allons prendre sur Volskaya notre ami Zarya. Je vais tenter des choses, j'ai envie de jouer un peu plus mes flanqueurs. Je me suis rendu compte que j'ai... Alors par contre Cabocho, je suis désolé, mais alors ça va pas le faire. Crac, voilà. Si c'est pour l'entendre cliquer pendant toute la game, ça va être chiant. J'ai envie d'améliorer un petit peu mes flankers, surtout parce que j'ai amélioré légèrement mon tracking. Du coup, j'ai bien envie d'en profiter un petit peu. Hop. Crac. Et donc, pour ce faire... Non, je sais pas. Ah. J'ai pas le droit de hacker avant le début de la game. Ah, d'accord. Je suis le premier surpris. Je savais pas ça, vous voyez. Comme quoi, je la joue pas assez souvent. Elle dit plus boop. Crac. Hop. Ah la vache, c'est Orisa. Ah non, c'était soldat. Non, Orisa, c'est bien Orisa, non? Ah non, c'est même pas ça, c'est Diva. GG, ouais, j'étais un petit peu trop... J'ai pas vu qu'il y avait toute la team qui suivait. J'ai suivi bêtement. De toute façon, Cabocho s'est barré, on a Lord Biscotte qui est revenu. Ouais, non, ça c'est mort. Diprax, c'est quoi Diprax? Merci pour le wall, mais... C'est débile. Voilà pourquoi je déteste May quand, elle est, quand on sait pas la jouer en équipe. Parce que beaucoup prennent... Ah putain. Ça pourrait servir plus tard. À la prochaine. C'est ça quand on n'a pas un bon tracking. Crac. Oula. Ok. Ah putain non, elle était déjà finie. La vache, vous voyez c'est le truc que j'ai pas suivi là. Je pensais pas que ma bombe était déjà finie. Je pense toujours qu'elle va être... C'était stupide, stupide. Là j'ai fait de la merde, vous voyez, c'est le genre de choses que j'aime pas sur... Pour moi elle devrait avoir plus d'indications sur le timer de la bombe. Voilà. De toute façon ce pack là il est hacké. Ouais, tu me diras, il faudrait qu'elle ait plus d'indications, dit-il alors que... Donc après il me reste 4 secondes, d'accord. Ça pourrait servir plus tard. Hop. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Voilà.
Voilà. Ils prennent la position. Arrêtez-les. Voilà. Défendez l'objectif. Ça va mieux. Très bien. Crac. Qu'est-ce qu'il y a? Personne sur l'objectif, on est d'accord. Bah oui, mais elle est mal placée toute. Enfin, j'aime pas le placement de la tourelle comme ça. Je sais pas s'il fait ses kills, mais. Hop. Ok. Ah putain. Voilà. Merde, je suis stupide. Oh la vache! J'aurais bien aimé être couvert, mais heureusement il a pas le heal en bas. Je sauvegarde trop mon ult. Mais bon, ils viennent que un par un pour l'instant, donc ça va. Voilà. Ça pardonne pas. Voilà. Ils viennent pas, ils viennent tous un par un, c'est nul. Qu'est-ce que... Voilà, merci. Ah bon? Merde, si j'avais su. Vous voyez, j'ai pas assez ult. Ah la vache. J'ai pas assez ult. J'aurais dû ult depuis longtemps, mais Oh la vache. Il a fait mal ce bastion. Alors après, je sais pas si elle... Ah d'accord, les packs sont vraiment visibles à travers les murs, c'est cool. Merci. Crac. D'accord, c'est parce qu'il estime qu'il a pas suffisamment de heal et du coup il en réclame aux autres. Hop. Personne. Je suis là. D'accord, il l'a eu, Lord Biscotte. Putain, il a un meilleur tanking que moi. Wow. Orisa juste en face. Bah, je sais pas s'il a un meilleur tanking finalement. Voilà. Ok. Je reviens. Elle est encore là, Fatal? Bonjour. Ah, j'aurais dû planter mon truc avant, mais merde. Par contre, le Reinhardt avait encore son shield, c'est bizarre ça. Ou alors il était pas dedans, il était pas dans la zone d'effet quand je l'ai balancé, sans doute.
Ah putain, j'ai pas conservé le... Ça c'est vital avec elle en fait hein. Hop, voilà. Le problème c'est que je sais pas si je spam un petit peu trop. Je pense que oui, mais faudrait que je regarde un peu plus de gens qui savent la manier, si je puis dire. Quoi? Putain, j'ai regardé, il tombait pas. Il est resté sur le bord sans doute avant de tomber. Comment t'as fait? C'est ça. Non, même pas. Ah, je l'ai même pas vu. D'accord, ok. Ah non, j'étais trop rapide. Voilà, c'est l'accélération de... Ah non, on va pas le perdre maintenant. Ok. Et du coup je suis un peu deg parce que j'entends pas mon... Elle dit pas boop. Voilà. Ça c'est bon. Ah la vache. C'est pas sur ça que ça va se jouer quand même. C'est pas sur ça que ça va se jouer. La vache. Non. Non. Non, sur le point. Bande de nazes. Bande de nazes. Oh là là. C'est dommage. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. J'ai même pas vu cet ult là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui d'accord, oui, c'est à ce moment là qu'il a... Exact, exact. Bon c'est dommage. Je reçois des tonnes de messages, c'est rigolo. Ok, bon pourquoi pas hein. C'était un, une partie intéressante on va dire. Est-ce qu'on peut la refaire en, attaque s'il vous plaît, qu'on rigole un poil? Ça pourrait être sympa. Bah déjà, il y a Lord Biscotte qui s'est barré, ça va plus. Alors. Je check parce que c'est l'anniversaire de mon meilleur ami en fin de semaine et du coup, je regarde s'il n'y a pas des gens qui... Crac. On peut la faire en attaque. Alors en attaque. Alors en attaque. Vu qu'il va y avoir... Alors, je vais vous montrer un truc. Quand il y a une Orisa en face, il n'y a pas 36 000 moyens de la niquer. D'ailleurs... Ah, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le rebord ici. Je suis vexé du coup. J'ai hâte de voir ça. Quel con. Ça aurait pu être drôle ça. Faut vraiment que je sois bon avec ça. Hein. Ah, cool. Donc, on sait qu'il va y avoir une Orisa en face. On le sait, c'est clair et net. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir si... Ah, mais Benman, c'est la maid de tout à l'heure. Ce qui serait intéressant, serait de savoir si... Je sais plus. S'il y aura autre chose comme Tank, voilà, c'est ça. Parce que s'il y a un Reinhardt, en fait, le double shield est très très dur à péter, même avec, avec Chacal. Parce que bon, ça fait quand même 7500 shield à péter, hein, je crois, c'est ça. Hein. Ça fait 2500... Mais casse pas les... Oui, alors ça, par contre, en termes de physique, c'est pas vraiment le cas. Hein. Ah d'ailleurs, est-ce que... Oui, est-ce que toujours, d'accord, ok. Ah non, même pas, ça me fait plus de dégâts, ça me bump, mais ça me fait plus de dégâts. Intéressant.
Vous mettez ça devant la gueule à quelqu'un qui est aussi proche. Paf. What? On a du heal, oui. Oui, t'es rigolo, toi. Bon, bah tant pis, j'en ai pas. Voilà. Crac. Merci. Elle en a déjà rebalancé un? Ah la vache, elle m'a vu. Donc ça passe pas. Si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai quand même envie de continuer avec, parce que voilà, c'est fun de jouer. Le problème c'est qu'en fait, on a deux flanques, trois flanques normalement, et il n'y en a pas un qui passe à côté. Ah putain, les tourelles de merde de si mes couilles. En tout cas, en termes de DPS, il y a personne. Ah bah on a même perdu notre... notre heal, donc c'est cool. Pff, trop du cul. J'ai plus mal. Je te dédie. C'est incroyable. Si ça n'explose pas, téléporteur ennemi, doublez la charge. C'est dommage. Mets ton clic droit, hein. Enfin, ou ton chiffre, pardon, ça dépend ce que t'as mis. D'accord, j'ai été buté entre temps, c'est génial. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Mais bon, c'est pas grave, on avait 0 DPS dans l'équipe. Je te dédie cette bombe. Je tiens l'objectif. Pour votre sécurité, merci de vous
placé derrière objectif. Regarde. Le temps joue contre nous. Vite. Fatal. J'écoute. Parfait. Non, à tu es dans ma ligne de mire. C'est con, hein. Mine vénéneuse. Ah oui, c'était la snipe. Ouf. Oh mais putain. Bien fait, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Par contre, je vais prendre soldat parce que là ça va plus. Là ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Ça va plus. Ok, on est bon. Ça me chatouille le nez. Me demande si j'ai pas un poil de barbe qui s'est redressé. Voilà. Oh putain. Forcément. Bouffe. Eh ben non, pas derrière un caillou, idiote. Voilà. Alors, j'ai adoré ce boost d'Oriza qui a fonctionné à travers le mur. Je trouve ça absolument incroyable. Putain, mais quelle naze. J'aurais dû m'en douter qu'il serait là, lui. Je pensais qu'il allait juste chercher le heal et qu'il allait pas venir. Mais bon, c'est pas grave. On a des gens balèzes avec nous. Je dis pas que je suis meilleur, hein. Enfin, je dis pas que je suis bon, hein. Je dis que je suis juste meilleur. C'est tout. Voilà. Allez, le heal, le heal, le heal, le heal, le heal, le heal, le heal. C'est bon. Putain. Alors, elle qui met son... Laurissa qui met son shield juste pour se protéger elle-même, quoi. Ouf. Oh la vache. Oh mais... Je n'abandonne jamais. Ça va être short de la gagner celle-là, dis donc. Ça va être extrêmement short. Waouh.
Putain, mais je suis tout seul, quoi. Putain, mais... Oh! Ah non. Il n'y en a pas, hein. Putain. Ah, ça me saoule. Et pendant ce temps-là, on voit la Orisa qui tire sur ses potes, hein. Qui tire sur Farah et Widow. C'est génial. Je n'abandonne jamais le combat. Plus que 10 secondes. On n'a plus le temps. Tout le monde attaque maintenant. Cessez toute résistance. Putain, mais sur ma gueule, quoi. Mais non. Le mec, il a 3 DPS autour de lui, c'est pour moi, quoi. Regardez ça! Cette blague! Je n'abandonne jamais le combat. Allez, il faut survivre! Ouais, non, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais alors, la Orisa qui tire sur Widow et Farah. Bravo, hein! Bravo, hein! C'est génial, hein! Tu piques un personnage pour autant pour le tester et non, ça te plaît pas. Écoute, c'est comment ne pas être utile à l'équipe. Parce qu'il y avait un post ce matin sur le fait qu'il y a des gens qui jouent ne serait-ce que les ranked pour perdre. Juste pour perdre. C'était intéressant à lire. Hein. Enfin bon. Eh ben écoutez, c'est pas grave, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une double défaite, il me semble. Donc salut les gens.